n'est pas au bon endroit. Hello, alors bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Je vous accueille, on est à la fête de Noël du tennis. Donc c'est plutôt sympa, je vous ai mis quelques images mais vite fait parce que je peux pas trop filmer les lieux ni les autres enfants. Mais c'est sympa, matinée, réveil tranquillou. Un peu de lecture ce matin. Et voilà, donc ça va être une journée tranquille, repos. Donc c'est bien, un week-end reposant. Et bah, je vous retrouve un peu plus tard, je vais profiter de mes enfants, jouer un petit peu avec eux. Et puis on se retrouve quand je rentre à la maison pour parler un peu de lecture. On est de retour à la maison. C'était très sympa cette petite fête de Noël. J'ai mis mon sweat de Noël. Voilà. Je viens de mettre à jour ma partie lecture. Donc oui, donc c'était très sympa. Je viens de mettre à jour mon livre addict. On va parler un petit peu des livres que j'ai reçus. Je suis désolée, j'ai mis un élastique tout pourri. J'avais les cheveux un peu en bataille. Des livres que j'ai reçus en cadeau. Alors le truc c'est que Sylvette m'a offert un roman que je me suis acheté en grand format. Je crois que je vais quand même garder la version de Sylvette. Ton absence n'est que ténèbres de John Kalman Stephenson. Et j'avais très envie de le lire et je pense qu'il était dans ma wishlist et que j'ai craqué, je l'ai trouvé je crois en occasion et du coup je me le suis acheté. Mais en poche, je trouve la couverture très belle et mon occasion, il est pas bon, je sais pas, on verra. En fait, je vais le garder parce que Sylvette me l'a offert, donc je vais mettre un petit mot. Et donc ça c'est cool, merci Sylvette. Donc il rentre pas vraiment dans ma pile à lire parce qu'il y est déjà. Je me suis acheté donc mon troisième livre. Vous savez, tous les 10 livres, je m'achète 3 livres. Mon troisième livre, c'est celui-là. Oh. Voilà. Yuko Mishima. Alors, il faut savoir que Yuko Mishima, ça correspond à mes 17, 18 ans. J'ai lu beaucoup, beaucoup de romans de Mishima à cette époque-là. Le Pavillon d'Or. Je pense à d'autres. Le Marin rejeté par la mer. Voilà, j'ai eu une folie Mishima, j'avais envie de tout lire, puis ça m'est passé, et l'année dernière j'ai relu une petite nouvelle de lui, La Lionne, je crois que j'avais pas trop aimé, mais la suivante, il y avait deux nouvelles, et la suivante m'avait beaucoup plu, et comme en janvier-février je me fais une exploration des romances, on va dire entre guillemets des romans d'amour, parce que moi le terme de romance me plaît pas trop, je veux lire de l'amour, après l'horreur, l'amour, et une soif d'amour, quoi de mieux? Je vais vous lire derrière parce que ça donne tellement envie. La jeune veuve Etsuko est amoureuse d'un domestique de la maison de son beau-père Yakishi, chez qui elle vit. Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants vivent sous le toit de l'ancêtre qui est devenu l'amant d'Etsuko. Une nuit, Etsuko donne rendez-vous au garçon qu'elle désire. Comprenant enfin ce qu'elle veut, il se jette sur elle. Elle perd connaissance. Quand elle revient à elle, il s'enfuit. Elle le poursuit, le rattrape, le frappe d'un coup de ouf et le tue. Yakishi était là. Roman d'une grande force sournoise, obscure et nerveuse, cette œuvre est une peinture d'une passion bridée par un milieu mais qui finit par tout consumer. Voilà, le roi du livre d'amour, c'est Yuko Mishima.
Voilà, grand respect pour lui. Je suis très contente de pouvoir retourner vers sa plume. Et donc, il sera lu début d'année. Donc ça, c'est une édition folio. Et je trouve que, je pense que le confort de lecture va être bien. Vous voyez, l'impression, elle est différente des nouveaux folios. Moi, j'aime bien comme ça. Les feuilles sont un peu jaunies, j'adore. Bref. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais piocher mes cadeaux du jour. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu. Donc, je vais chercher. Et je vous reprends tout de suite. Alors, voilà, le numéro 16 est là. Vu comme ça, c'est un relié. Et vu comme ça, je crois savoir ce que c'est. Je suis très contente parce que j'avais très envie de le découvrir. Ah non, c'est pas celui auquel je pensais, mais c'est trop cool. L'Empire du Vampire de J. Christophe chez De Saxus, dans une belle édition reliée. En fait, je suis trop contente, parce que déjà, il est très beau. Regardez-moi un peu ce livre. Oh là là, brille dans le soleil. Il est très très beau. J'en ai entendu... Oh, il est en... Je l'ai eu sur Manox. J'en ai entendu vraiment le plus grand bien. Et j'aime beaucoup la figure du vampire. Et j'aimerais bien faire une exploration de la figure du vampire l'année prochaine. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien le faire. Et je pense que du coup, il sera vachement approprié. Ma question, c'est... J'espère que c'est pas une série. Parce que j'en ai marre de ces trucs-là. J'ai toujours des trilogies. On verra. Je sais plus... En tout cas, c'est une édition collector que j'ai eue en promo et j'en suis bien contente. Brillant et impossible à arrêter. Wie Schwab dit, ce roman est remarquablement saignant. Ben voilà, je suis trop contente parce que je suis très heureuse de le lire. Alors, c'est une bricasse qui fait 940 pages et quelques. Mais les bricasses ne me font pas vraiment peur. Donc, c'est trop cool. Voilà. Dis donc, c'est cool, hein. Il a tous ses cadeaux de décembre. C'est un peu l'orgie de cadeaux. Mais c'est trop bien. Je suis contente. Voilà. Donc, merci, merci. Là, j'ai pas bien compris. Le cadeau de Sylvette pour ce soir, il y a écrit... Je vous montre juste. J'ai pris des risques. Lol. Du coup, j'ai envie de savoir. Il y a le numéro 25 qui est là, mais je ne sais pas à qui il appartient ce numéro 25. Et un peu perdu les étiquettes, c'est pas grave. Je vais me poser là avant qu'on déjeune, je vais tricoter un peu et peut-être faire mon montage vidéo aussi de mon vlogmas d'hier. Et voilà, on se retrouve après, je pense qu'on va peut-être faire une petite balade, on va voir. Et puis après c'est faire un niente repos. Alors, de retour de la balade, j'ai fait le montage de mon vlogmas en tricotant un peu. Et donc là, il est en train de charger, il me reste encore un quart d'heure. C'est un petit peu long chez moi. Désolée pour le bazar derrière. Et je me suis dit que... Enfin, j'avais pas envie de regarder le podcast, en fait. À des moments, là, j'en ai un petit peu marre. J'avoue que les vlogmas, c'est sympa, mais ça fait beaucoup de contenu à regarder... Je sais pas vous, mais moi je sature un peu. Non, je plaisante. Je sature pas vraiment de regarder des vidéos, mais il y a des moments où j'ai envie de faire autre chose, tout simplement. Et je me suis dit que j'ai oublié de vous parler, de mes lectures. Je voulais vous parler de deux romans. Alors déjà, je voulais vous dire un truc. C'est que j'ai terminé de lire Un Franctilier. Je vous en parle pas dans cette vidéo-là, mais dans une autre, parce que j'ai déjà d'autres livres dont je vais vous parler, que j'ai lu avant. Et je voulais continuer, je me suis dit, tu vas faire un petit break, tu vas écouter la confiserie,
De Rosie. Non, c'est ça, oui. De Jenny Colgan. Jenny Colgan, j'ai déjà écouté des choses d'elle, celle qui a fait La Petite Boulangerie du bout du monde, un truc comme ça, que j'avais bien aimé en audio, c'était plutôt sympa. Et j'ai commencé à écouter un tout petit peu, et je me suis dit, mais non, en fait, t'as pas envie de ça. Hein. T'as pas envie. Alors pourquoi tu te fais ça? Faut pas faire ça, hein. Donc j'ai rendu le titre. Je l'ai fait sur Audible. On peut pas le faire sur le téléphone d'ailleurs, à savoir, il faut le faire sur le site Audible où vous vous connectez. Vous allez dans votre historique d'achat et là, vous pouvez rendre le livre. J'avais commencé à l'écouter un tout petit peu, on va dire moins de 10 minutes. Et je me suis dit non, c'est pas grave. Et j'ai pris Pandemia, la suite de Franck Tellier, parce que je sais pas, c'est une addiction, faut croire. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'ai abandonné mon livre audio Feel Good pour écouter un thriller, un polar plutôt, polar thriller. Ah là là, tant pis, c'est pas grave, le feel good ça sera pas pour moi. Qu'est-ce que ça va être quand je vais me lancer là, en janvier-février dans les romances, hein? D'ailleurs il faut que je vous tourne ma pile à lire des romances de janvier-février, parce que je voudrais le faire et pouvoir vous la proposer quand je serai pas là entre le 24 et le 30. Et je voudrais également vous tourner le point sur mes sagas. Les sagas que j'ai commencé que je continuerai pas, celles que j'ai commencé que je voudrais continuer, les sagas que je veux terminer en 2024 et un petit peu mes objectifs pour les sagas, parce que voilà, je veux baisser un peu mon nombre de sagas et voir comment faire pour le faire tout simplement. Donc ça c'est deux vidéos à mon avis que je vous ferai. Deux vidéos que je vous ferai avant que je vous proposerai avant. Celle que je vous proposerai juste après la nouvelle année, ça sera les meilleures lectures de l'année 2023. Celle-là, je vais attendre en fait que passe l'année, parce que typiquement, je suis en train de lire ça et je sens que ça va être un énorme coup de cœur. Donc, c'est génial hein, ça. Je suis complètement accro en fait. J'ai envie d'y retourner. Donc là, d'ailleurs, je papote. Je finis d'uploader la vidéo et je retourne à ma lecture. J'ai mis plein de marque-pages dedans. C'est mon découpage. C'est possible que je ne suive pas forcément mon découpage et que j'enchaîne parce que c'est trop bien. Mais là, je vais vous parler de ça. Ah mais si, en fait, je vais vous parler d'Angor aussi. En fait, si, c'est celui que j'ai terminé ce matin et dont je vous parlerai la prochaine fois, c'est celui-là. Angor, d'ailleurs, il y a mon dernier marque-page qui est dedans. Et j'adore. C'est trop mignon. C'est... Ah, je me souviens plus comment elle s'appelle. Ah zut, j'ai un petit trou sur comment tu t'appelles. En plus, j'en ai des marques. Bon, si je retrouve, je vous mettrai... d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir si elle a mis des nouvelles choses, là. Genre pour l'hiver. Bon, alors, j'ai écouté et dévoré Angor de Franck Tillier, édité ici chez Pocket, et je l'ai lu sur Audible. Et c'est le meilleur que j'ai lu depuis longtemps de Franck Tillier. Enfin, vraiment, je pense que c'est mon préféré là de toute la saga. Bien que j'ai beaucoup aimé Le Syndrome E, celui-là dépasse, je pense. Parce que j'ai beaucoup aimé l'intrigue policière et j'ai beaucoup aimé la façon dont Franck Tillier amène de nouveaux personnages. Alors il y en a un que l'on connaît depuis longtemps, c'est Nicolas... Comment est-ce qu'il s'appelle? Je vais vous le retrouver. Bélanger. Aurélien. Non, pas Aurélien. Je ne sais plus. Quel est ton prénom? Le chef de police, le chef de... Je suis vraiment très très mauvaise. Attends. Nicolas Bélanger, c'est ça, hein? Nicolas Bélanger et... J'ai peur de me tromper de prénom. Mais bon, en même temps, on s'en fiche des prénoms. Hein. Donc, c'est celui qui bosse avec Charcot. Ça a lieu à Villeneuve-d'Ascq. Ah non, mais vraiment, j'y étais, quoi. C'est vraiment trop trop rigolo. On va suivre un nouveau personnage. Ça commence pas avec eux, ça commence avec Camille qui est gendarme en fait. Qui est gendarme à Villeneuve-d'Ascq. Et
elle fait des drôles de rêves au départ. Je lis la quatrième épreuve parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment il l'amène. Elle fait des drôles de rêves, elle comprend pas trop. Et en fait, on se rend compte qu'elle a eu une transplantation cardiaque parce qu'elle a toujours un cœur défaillant. Et elle a l'impression que les rêves qu'elle fait sont liés avec le cœur de la personne qui, le cœur de la personne dont elle a hérité. Et du coup, elle va aller à la recherche de ce cœur et elle va croiser sur sa route Charcot et Nebel et Nicolas Bélanger. Bon, je vais l'appeler Nicolas, on s'en fiche. Nicolas Bélanger, c'est vraiment un personnage super intéressant, Camille. Alors, elle est torturée parce qu'elle a des problèmes avec ce cœur. En plus, il est... Enfin, je vais pas trop vous raconter, mais très vite, on comprend que ça va pas le faire. En fait, ce cœur, il y a comme une sorte de rejet. Et on va comprendre pourquoi. Et j'adore parce qu'on rencontre donc le chef de police, qui est plus jeune que Charcot, mais qui est complètement déglingué, fatigué. Il est un peu à bout de nerfs, vous voyez. Et c'est Charcot et Nebel qui vont s'inquiéter un petit peu pour lui. Et qu'il y a comme un peu un relais qui est fait vers ce personnage que j'aime aussi beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'on sent qu'il... ça va pas, quoi. Il bosse et il a pas de vie à lui. Et là, on comprend qui il est, on comprend comment il est jusqu'au boutiste. Et son personnage, il est aussi brut de décoffrage, quoi, un peu comme Charcot. On ressent aussi toute l'ambiance de la brigade. On ressent vraiment très très bien cette ambiance-là, par le biais notamment de Lucie Nebel, qui, je ne vous dis pas ce qui se passe parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire de Charcot Nebel, mais qui va revenir, du coup, je peux juste vous dire qu'elle vient bosser, en fait, avec Charcot. Et donc, elle se retrouve dans un lieu comme ça, et dans les sensations qu'elle a au quotidien, on ressent vraiment l'ambiance. Et je trouve que c'est chouette. Et ça se passe au moment des fêtes, d'ailleurs. C'est rigolo. Ça se passe vraiment au moment des fêtes. J'étais avec eux du début jusqu'à la fin. J'avais qu'une envie, c'était de retourner dans ma lecture. J'ai vraiment adoré. C'était extrêmement bien lu, comme d'habitude. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien écrit. Vraiment très bien écrit. On est moins dans les détails techniques, on est moins dans le scientifique, on est plus dans le ressenti avec celui-là, mais j'ai tout autant aimé ça. L'enquête est assez complexe, mais... Ah oui, puis il y a un moment aussi, on est à Étretat, et il parle de l'aiguille creuse. Alors moi, j'étais à fond, parce que c'était vraiment... C'était vraiment tout ce que j'ai ressenti dans les derniers mois, là. C'est des lieux où je suis allée, et c'est, du coup, ça m'a parlé vachement, parce que j'avais des images dans les yeux. Et c'était vachement bien. J'ai adoré. Donc, je ne peux que lire la suite, parce que j'ai envie de savoir, du coup, j'ai envie de savoir ce qui va devenir de tout ça, de tous ces personnages. Et quelle va être la prochaine enquête, parce qu'il y a des gens quand même chelous, hein, là-dedans. On est quand même dans des trucs très sombres. Et encore, voilà, cette fois-ci, c'est deux bonnes lectures. J'ai lu le premier tome d'Evol, qui est un manga de Atsushi Kaneko, édité chez Delcourt Tonkam, qui est un très beau manga. Je vais vous montrer parce qu'il y a... franchement, quand on enlève la quatrième de couverture, là, il est beau, quoi. Je le trouve vachement beau. C'est un manga qui parle d'anti-héros. On est dans un monde où il y a des héros qui ont des super pouvoirs et qui, potentiellement, on se dit, ouais, ils sauvent le monde, alors qu'en fait, ils sont un peu sous la coupe du maire. On est où, d'ailleurs? On ne sait pas trop où on est. On est un peu nulle part, mais ils sont à la coupe du maire de la ville. Et... on sent qu'ils ont été... Ils sont un peu bizarres, les héros qui... les super-héros qui sont en place. T'as l'impression au début qu'ils sauvent le monde, mais en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe. Et il va y avoir un moment... Un moment où on va suivre plusieurs jeunes, de 16 ans, 17 ans, qui tentent à un moment de mettre fin à leur jour et qui vont se retrouver, dans un centre de soins où genre il y a des psychopathes
Et ils vont se rendre compte qu'ils ont eux-mêmes des pouvoirs, alors que normalement les pouvoirs sont hérités de génération en génération. Là, ils se rendent compte qu'ils ont des pouvoirs. Alors au début, c'est des petits pouvoirs, de rien du tout. Je peux pas vous dire lesquels, parce que ce serait dommage. Et en fait, ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas trop à quoi ça va servir. Et finalement, enfin, je peux pas vous raconter, mais en tout cas, je peux juste vous dire que ça remet en question le côté genre super-héros qui va sauver la ville. En fait, si la ville elle est pourrie, peut-être que les super-héros eux-mêmes sont pourris, et peut-être que des adolescents désespérés peuvent faire quelque chose ou non. Et j'ai trouvé que ce point de vue était assez original, et les dessins sont assez simples mais expressifs. Et je sais pas, j'ai trouvé ça chouette, j'étais dedans. Il n'y a pas beaucoup de texte par contre, on est vraiment dans le visuel, ça fait très, très scénario, vous voyez. Et là, le vernis sélectif sur Evol, là, il est pas mal aussi. Et voilà, donc, et à l'inverse, ça fait Love, en fait. Voilà, bref. Pardon. Et donc, je pense m'acheter la suite. Le seul problème, c'est que je me suis rendu compte, alors moi, je l'avais acheté à Japan Expo. J'étais tombée, je me suis dit, ouah, cette couverture est trop belle. Je m'étais fait ce plaisir-là, mais je crois qu'il est genre à 15€ ou 18€, un truc comme ça. Et il y en a 5 ou 6. Et donc, je vais me les offrir, mais on va y aller tranquillement, parce que c'est pas donné. Hein. Mais je pense que je vais acheter la suite, parce que ça me plaît bien. D'un point de vue graphique, c'est quand même intéressant aussi, je trouve. Je trouve que cette couverture, elle est vraiment... elle est terrible. Voilà, donc deux bonnes lectures, et ça... Et ça qui n'est pas loin de devenir un coup de cœur. J'en suis... Je vous raconte un peu. Allez, je vous raconte un peu, mais vous devez connaître l'histoire. On suit un jeune homme de 24 ans. Je crois qu'il est pas loin d'avoir 25 ans. C'est important parce qu'à 25 ans, il va se passer quelque chose. Il vit dans la demeure, dans un manoir, avec son oncle qui a eu un peu l'image de père, parce que ses parents sont décédés, ou du moins sont partis, je ne sais pas. Et cet enfant a été récupéré par son oncle, Ambroise, avec qui il a noué des liens très forts. Et Ambroise, on sent qu'il n'a pas une santé extrêmement bonne, et il décide en fait de laisser le manoir à son neveu, pendant qu'il part voyager pour essayer de se faire du bien, quoi, de se divertir, de faire d'autres choses. Et en fait, ce Philippe, qui est donc ce neveu, est dans le manoir et il reçoit des lettres de son oncle qui lui dit que sur sa route, sur le chemin pour aller à Florence, Rome, tout ça, il a rencontré sa cousine Rachel, qui est une cousine éloignée. Et donc, c'est une très belle rencontre. Il parle de leur amour des jardins, parce que c'est un grand fan de jardins. Donc, il se lie d'amitié avec elle. Et puis, petit à petit, les lettres font transparaître un amour naissant, à tel point qu'un jour, il reçoit une lettre qui lui dit qu'il s'est marié avec elle. Et donc, ils s'attendent à tout moment à ce qu'ils rentrent, tous les deux. Mais finalement, ils ne rentrent pas. Et petit à petit, Philippe va recevoir des lettres de plus en plus étranges qui parlent de... dans lesquelles Ambroise semble plus ou moins malade. Et finalement, petit à petit, il se rend compte qu'il y a une situation étrange. Et puis même dans ces lettres, il y a comme des appels à l'aide. Donc il décide d'aller rejoindre son oncle. Et quand il arrive à Florence, on lui dit que son oncle est décédé. Alors il est assez choqué. Il va tenter de retrouver cette cousine Rachel pour laquelle il a des images qui naviguent entre... Il la prend tout de suite en grippe, quoi. C'est vraiment pour elle, la cousine Rachel. Il sait pas trop à quoi s'attendre, une vieille dame. Elle a pas d'âge, elle a pas de visage. Il lui met plein de choses sur le dos, justement, en plus, parce qu'elle est partie, elle est introuvable. Alors il se dit, c'est bizarre quand même, elle est partie, elle a tout pris, toutes ses affaires de son oncle, et elle est partie. Et donc il revient ensuite, il décide, parce que quand, à cette époque-là, on est, je ne sais pas quand, mais en 1800, je ne sais pas quoi. Et en fait, à cette époque-là, pour aller, parce qu'il est près de Londres, pour aller de Londres à Florence, il met 3 semaines en fait. Donc quand il revient à Londres, il retourne à son manoir, il retourne chez lui. C'est un homme qui vit de façon très solitaire alors qu'il est jeune. Il a toute...
Il a des paysans qui sont à son service, des personnes de maison, du personnel de maison. Et puis, petit à petit, il se rend compte que cette cousine Rachel va venir dans ce manoir. Et c'est là où j'en suis. Il vient de la rencontrer. Et... Alors, l'histoire est... Très vite, on est dedans, en fait. On se demande... C'est très, très vite. Les personnages sont très intéressants, très vite. Et déjà, plein de secrets, plein de... On se pose plein de questions. Et cette cousine Rachel, la façon dont elle est dépeinte par le biais de Philippe aussi, on est un peu comme lui, on est sur la réserve. Et puis, qui elle va être, quoi ? On est de... On sait pas trop, en fait, on sait pas trop à chaque fois, on essaie de regarder dans toutes les phrases ce qui peut transparaître. Et je trouve ça, mais génial, je trouve ça génial, ça se dévore, c'est extrêmement bien écrit, c'est superbe. Donc pour le moment, je n'ai qu'une envie, c'est de savoir qui est cette cousine Rachel. En plus, ça commence, on apprend déjà presque la fin au tout début, mais je vous laisse le lire. Mais je trouve ça assez incroyable. Donc la première fois que je lis du Daphné du Maurier, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et là, pour le moment, je ne suis pas déçue. Alors, j'espère que ça ne va pas me décevoir par la suite. Mais c'est pour le moment, c'est génial. J'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un univers gothique. Et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Bon, je pense que pour aujourd'hui, là, il est 16h30. Ma vidéo, elle en est où ? Pour aujourd'hui... Il me reste 5 minutes de chargement, on est pas mal. Je vais aller d'ailleurs bouquiner, il faudrait que je fasse de la compote de pommes aussi. Et peut-être que je fasse des... Mais je ferai peut-être ça demain plutôt, je voudrais faire des biscuits de Noël. Parce que quand même, hein. Et peut-être faire un pain d'épices. Je pourrais peut-être faire ça, pain d'épices et compote de pommes. Je vais voir si je vais faire ça, là. Et voilà, donc j'attends que ça se... J'attends que ça... Bah, c'est les vérifications qui sont en cours. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vais retourner à mes lectures, à mon samedi. C'est trop bien le week-end. J'en profite, là. Cette balade, il faisait tellement beau. C'était vraiment très agréable. Et je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec les images de la fin de journée et d'ouverture des calendriers. D'ailleurs, il faut que je les remonte. Je vous fais des gros bisous et à très très vite. Bye bye. Parce que ça... On va pas m'étudier. Viens, viens. On va taper une fois.
ça a l'air trop bien ça. Et ça, je pense que c'est de la poésie. Et ça, c'est vraiment, vraiment.